Bonjour, une petite vidéo sur les toits de Chaume à partir de photos que j'ai prises pendant mes vacances. J'ai visité, en pays nantais, un village, Quérinet, dans lequel tous les toits sont en chaume. Cette région possède environ 800 couvertures chaume disséminées dans la campagne environnante. Au Moyen-Âge, les bâtiments étaient recouverts avec des tiges de paille récupérées après les moissons. Aujourd'hui, il s'agit de roseaux provenant le plus souvent de Hollande. La mise en œuvre est affaire de spécialistes. Pour un mètre carré de couverture, il faut 15 bottes de roseaux et pour une habitation moyenne, 2500 bottes. La durée de vie est estimée de 30 à 35 ans. Si l'entretien est régulier et surtout si l'on échappe à un champignon pouvant dégrader rapidement le matériau. Je vous souhaite une bonne balade au pays du chaume.
Pour en savoir plus, tapez sur votre moteur de recherche « Technique du chaume », puis cliquez sur « Construire un toit de chaume en 2022-toiture.pro ». Pensez à vous abonner !